Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009, la tempête Klaus touche l'Aquitaine, une tempête qui fera 9 morts. Des rafales allant jusqu'à 172 km/h balayent la région. 161 km/h seront relevés à l'aéroport de Mérignac, un record absolu pour le site. Les images sont impressionnantes. Arbres arrachés, lignes électriques à terre, toitures éventrées, l'Aquitaine se réveille groggy. Le Pays basque a été le premier département touché. Les dégâts sont conséquents. Mais la maison, elle est crevée. Elle est crevée. La chambre principale, elle prend l'eau. C'est quelque chose de dément. Je dormais dans mon lit, ici. Tout s'est effondré d'un seul coup, comme ça. Et beaucoup de suie, beaucoup de feu. Une égratignure, ici, au poignet. Les ports sont défigurés, les rues sont jonchées d'arbres et de branches. En remontant vers le nord, la tempête a poursuivi son œuvre destructrice à l'intérieur des terres. Et c'est le massif forestier des Landes de Gascogne qui est ravagé. Sur 1 million d'hectares, 593 000 sont endommagés, dont 223 000 à plus de 40%. La vision est terrible. Sur d'immenses étendues, il n'y a que des troncs couchés, broyés ou dressés, tels des allumettes brisées. Près d'un demi-milliard d'euros d'aide sera débloqué pour nettoyer et reboiser. Le réseau électrique paie un lourd tribut. 500 000 foyers aquitains sont privés d'électricité. Les techniciens de RDF sont à pied d'œuvre, mais ce sont des centaines de kilomètres de lignes qu'il faut raccorder. Avec l'intervention que nous faisons ce matin, il y a déjà une grosse partie des gens qui vont être réalimentés. Après, bien sûr, on va poursuivre la ligne bien plus loin et les dégâts qu'on trouvera, on réparera. Côté transport, durant plusieurs heures, des routes sont coupées. Les avions et les trains sont paralysés. C'est toute une région qui se retrouve immobilisée.